Bonjour, c'est Gryfox, j'ai le plaisir de vous retrouver et avant de commencer la vidéo, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année à tous. Voilà, moi je fais ma petite vie de mon côté, j'ai pas forcément le temps de faire autant de vidéos que je voudrais en ce moment, même si je vais m'arranger pour que ça puisse revenir dès que possible, mais sachez que vous me manquez et que je pense à vous tous les jours. Allez, c'est parti, on a deux petits articles sur le site Dofus qui sont sortis, des articles de vœux d'Ankama et de Tot, mais qui apportent pas mal de... d'informations sur ce qui va arriver sur Dofus pendant cette année 2024. L'idée, c'est qu'on parcourt un petit peu tout ça et qu'on réagisse, qu'on analyse les nouveautés pour Dofus qui sont annoncées. Et c'est parti. Alors, 2024 avec vous, 20 ans de Dofus et le déploiement d'Unity. Voilà, ça annonce directement la couleur. On sait tous que c'est une année charnière pour le jeu qui se présente devant nous. Quel plaisir. Let's go. Alors, chers aventuriers du CrossMose, alors qu'une année s'achève avec une nouvelle débute, marquant une période de changement et de transition, toute l'équipe Dofus et les équipes Ankama vous adressent leurs vœux les plus sincères pour l'année à venir. Nous espérons que l'année passée vous a apporté joie et réussite, tant dans votre vie que dans vos aventures, dans le monde des Douze. Cette année écoulée fut riche en enseignements, semée de défis et couronnée d'accomplissements. Chaque épreuve rencontrée a été l'occasion d'apprendre et de grandir, tant individuellement que collectivement, témoignant de la passion et de la résilience remarquable de notre communauté. C'est grâce à votre soutien que nous avons célébré de nombreux moments de joie et de succès. En regardant vers l'avenir, nous sommes emplis d'un sentiment de gratitude et d'excitation pour ce que 2024 réserve. Nous sommes impatients de relever ensemble les futurs défis et de vivre des aventures inédites enrichissant davantage le récit de notre monde bien-aimé. Cette année exceptionnelle marque le 20e anniversaire de Dofus et la transition enthousiasmante vers Unity. Conscients que les vœux de nouvelle année peuvent parfois sembler routiniers, nous tenons à vous assurer que notre dévotion envers vous, notre communauté, est plus forte que jamais. Nous sommes profondément reconnaissants pour la fidélité et la passion que vous manifestez pour notre jeu et notre univers. Merci sincèrement pour tout l'amour que vous nous apportez. Votre enthousiasme est notre source d'inspiration quotidienne et nous motive à nous surpasser. Cette année encore, nous avons été témoins de l'immense créativité de l'engagement de notre communauté, des projets artistiques et caritatifs d'initiatives communautaires. Voir Dofus s'associer à une telle énergie positive est incroyablement gratifiant. Revisitons les moments marquants et les leçons de l'année écoulée, célébrons nos réussites passées, réfléchissons aux défis relevés et apprécions le chemin parcouru. Bon, c'est parti, petite rétrospective, je regarde si c'est pas trop long. Bon, on va y aller mais assez rapidement, parce que l'idée c'est surtout l'avenir, hein. Je vais focus sur les choses à venir sur Dofus, et Dofus 2, hein, pas de la version rétro. Allez, je lis quand même ça, même si a priori on va pas apprendre grand chose. Récapitulatif de l'année passée. Donc Dofus avancée technique. Cette année, d'un point de vue technique, nous sommes concentrés sur des améliorations majeures sur lesquelles l'équipe travaille depuis un certain temps. Le nouveau serveur de connexion et la refonte du format de sauvegarde des données. Le serveur de connexion a été repensé pour mieux gérer l'accès au serveur et la stabilité des connexions, en raison des problèmes survenus pendant la 7e édition de Temporis Osatopia en 2022. Les modifications apportées au format de sauvegarde en développement depuis 2021, avait pour objectif de proposer des sauvegardes en temps réel et limitant ainsi les retours en arrière. Ces avancées promettent dorénavant des maintenances plus rapides et des nouvelles fonctionnalités en jeu. Après ces avancées techniques significatives, l'année 2023 fut parsemée de défis inattendus, principalement en dehors de notre périmètre de contrôle habituel. Nous avons dû faire face à des problèmes variés allant du dysfonctionnement sur nos outils à des soucis de sauvegarde et de connexion. Bien que ces difficultés aient engendré des retards imprévus, notre équipe s'est investie sans relâche pour atteindre nos objectifs fixés pour l'année. Un petit lien vers un devblog sur les sauvegardes. Refonte des alliances. En 2023, les alliances ont ouvert le bal avec une importante mise à jour. Ce système avait été mis en jeu il y a plusieurs années et souffrait de problèmes systémiques impossibles à corriger sans modifier le système en profondeur. Monopole, destruction de ressources, combat PVP, etc. Nous avons donc choisi de revoir en grande partie son fonctionnement et de proposer une nouvelle version des alliances, décorrélée des guildes. Une partie de nos objectifs initiaux a été remplie, mais notre volonté de proposer un système à mi-chemin entre les joueurs hardcore et les joueurs occasionnels a débouché sur un système qui ne convient pleinement ni à l'un ni à l'autre. Le système manque aujourd'hui d'attrait et demande un investissement trop élevé pour les joueurs. En somme, il est devenu trop compliqué. De plus, les combats PVP qui sont au cœur de la fonctionnalité crée de la frustration, de la toxicité, du déséquilibre et de l'élitisme. Nous avons déployé une première vague d'amélioration lors de la mise à jour de septembre 2023. Elles ont permis d'apporter certaines solutions mais n'ont pas suffi à convaincre complètement. Un sondage a également été envoyé et nous a permis de mettre en lumière certaines attentes, mais surtout de mettre le doigt sur leurs grandes différences entre les divers types de joueurs. Le sujet n'est pas oublié et nous prévoyons d'apporter de nouvelles modifications à cette fonctionnalité en 2024. un petit nez vers le devblog. Bon, les alliances, effectivement, c'est un gros flop. Le système avant, il avait certains problèmes, mais il avait aussi certains aspects qui fonctionnaient très bien. Là, le nouveau, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre. On est à peu près tous unanimes pour dire que ça va pas du tout. Bon, bah voilà, hein, je pense que c'est assez intéressant et assez sain de garder cet état d'esprit, de proposer de nouvelles choses, de ne pas avoir peur de faire des modifications profondes, quitte à se planter. Moi, je préfère largement, en termes de gestion du projet Dofus, avoir des choses ambitieuses et tenter des trucs, et puis si ça se plante, ça se plante, et on revient dessus, et on revient en arrière. Donc je ne leur jette absolument pas la pierre sur le fait d'avoir voulu faire quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui me fait peur, c'est nous prévoyons d'apporter des nouvelles modifications à cette fonctionnalité. On connaît, on y a un passif, on sait que des fois il y a des choses comme ça qui sont dites et puis en fait 2 ans plus tard rien n'a changé. Donc j'espère vraiment que là ça va quand même être revu de façon assez rapide parce que c'est un système qui est central, les alliances, ça touche à la vie des serveurs, ça touche à la génération de pépites. J'espère vraiment que quelque chose de plus convaincant va sortir dans pas trop longtemps, même si j'imagine qu'ils vont être très focus sur Unity, et ce qui est tout à fait légitime. Mais j'ai une petite appréhension là-dessus, parce que le nombre de fois où il y a des fonctionnalités, ils ont sorti une image, ça n'allait pas, ils ont dit on va revenir dessus, puis en fait pendant 1 an et demi, rien ne bouge. J'espère vraiment que sur les alliances, ça va bouger vite pour aller vers quelque chose de satisfaisant, mais je pense que c'est aussi un chantier qui est très compliqué, parce qu'il y a différents types de profils à joueurs à satisfaire, et tout le monde n'a pas les mêmes attentes, tout le monde n'a pas le même rapport à tout ça, les guildes, ça reste un peu en stand-by pour l'instant. À voir, hein. On est tous conscients des problèmes, il y a eu une tentative de nouveauté, mais les problèmes se sont pas du tout résolus, et ça reste un chantier qui est assez prioritaire je pense. Allez, on enchaîne. Suppression des idoles. Et si nous remontions un petit peu le temps à présent? Lors de la CrossMose 2022, nous vous avons annoncé notre intention de revoir le système d'idoles avant la fin du portage sur Unity, avec les nombreuses implications sur de nombreux systèmes et contenus du jeu. Ces modifications ont été faites pour plusieurs raisons. La vision de l'équipe actuelle de game design a évolué avec le temps, d'autant plus que l'équipe elle-même a évolué, ce qui conduit à un désaccord sur la pertinence de maintenir la mécanique des idoles en jeu. La sortie prévue de Unity et le lancement de nouveaux serveurs représentent également une opportunité pour nous de vous offrir une expérience de jeu durable et saine à long terme. La décision de retrait de ce système n'a pas été prise à la légère, étant donné qu'il était présent en jeu depuis la version 2.29, soit depuis juin 2015. Cependant, nous sommes convaincus qu'avec la refonte des zones apportées ces dernières années, l'assainissement de la progression en expérience ainsi que l'ajout de contenu, les idoles n'étaient plus une mécanique nécessaire au jeu. Bon, moi, c'est un sujet qui reste assez sensible pour moi. Je trouve que ça a été assez mal fait, la suppression des idoles, et c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Le problème des idoles, c'était quoi? C'était la surgénération de ressources. Moi, je suis d'avis que la forte génération d'expérience n'est pas un problème. Donc ma solution, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque pour en parler, on avait été nombreux joueurs, youtubeurs, twittos et compagnie, streamers à en parler. On avait tous voilà, souligné différents problèmes, mais la suppression totale, à mon sens, était une erreur. Le problème, donc c'était la surgénération de ressources, mais la surgénération d'XP n'est pas du tout problématique selon moi, puisque en fait aujourd'hui on peut torcher le rush 200 et ensuite commencer à jouer, ou on peut prendre son temps pour XP, et en fait chacun consomme le jeu comme il veut. La question c'est comment ça impacte l'économie, et en fait l'XP n'impactait pas l'économie si ce n'est pour les mécaniques de PL ou autres qui de toute façon existent toujours. Je pense que les idoles c'était une feature assez intéressante, assez riche, tout le côté succès était très très cool. Le côté aussi craft idol qui était intéressant pour le façonneur et tout. Enfin pour moi le vrai problème des idoles c'était vraiment le drop, la surgénération de butin. Donc si juste on mettait les idoles en ça augmente uniquement l'XP et pas le drop, pour moi on résolvait le problème. Et on gardait la feature dans le jeu qui est tout à fait intéressante, il n'y avait plus qu'à rajouter un petit onglet idole, parce que les idoles mélangées avec les ressources qu'on connaît, on en a tous eu bien marre. Mais je regrette, je trouve que c'était quelque chose de vraiment sympa. Le petit côté, tu as envie de theorycraft ton farm optimisé avec un max de score d'idole, c'est super jouissif, et même ne serait-ce que pour les XP des levels Oméga, bah, les joueurs qui ont stacké les Oméga maintenant, ils vont quasiment être jamais rattrapés par quiconque, hein, parce qu'il y avait 2 manières de stacker les Oméga, c'était les idoles et à certains moments les songes infinis qui ont généré des sommes d'XP astronomiques. Et là j'ai l'impression que bah, les niveaux Oméga des persos, c'est soit tu les as bien farmés avant, soit maintenant bah, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher des gros levels Oméga. Bon ça c'est anecdotique, hein, vous me direz. Mais ouais, voilà, je suis un peu déçu de la feature qu'elle est disparue. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé une grosse partie du jeu avec tout ce qui allait derrière, hein, notamment les succès, les quêtes, les machins, pour régler un problème qui aurait pu être réglé juste en enlevant le butin qui était associé. Il y a un autre argument là que j'ai pas évoqué qui peut être entendable, c'est aussi les problèmes d'abus. Il y avait des petites mécaniques de renvoi de dommages avec des idoles, des trucs un peu bizarres où les mobs se one-shotaient. Ok, je peux comprendre que les idoles pouvaient générer certains... C'est pas des failles, hein, mais c'est juste exploiter la mécanique et les augmentations de dégâts d'une idole de façon à simplifier énormément un contenu. Mais ça, ça reste anecdotique. En regardant un œil attentif sur tout ça, avec un petit patch de temps en temps, je pense que ça pouvait se gérer. Donc, ouais, assez déçu de cette suppression. J'ai l'impression que c'est une grosse part du jeu qui part. Et l'autre catastrophe, et ça, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé, j'avais fait quelques vidéos là-dessus, j'avais fait pas mal de posts Twitter et compagnie. Le côté modification des recettes en conséquence, pour moi, c'est vraiment un drame hein, pour le jeu, pour les économies, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont, complètement nerf la génération de ressources. Donc avec les idoles, il y a aussi le nerf succès qui arrive en même temps. Et ils ont nerf les quantités nécessaires pour les crafts de ressources, mais en fait, ils n'ont pas touché au stock existant. Donc ceux qui ont farmé avant, ils se sont mis mais tellement bien, et en fait, là, sur les serveurs existants, on ne pourra plus jamais rattraper le capital qui a été accumulé par ceux qui avaient des grosses teams et confondus avec des idoles. Moi, c'est quelque chose, je vous avouerai que ça m'a un peu dégoûté, et il y a eu des moments où, il y a eu 2-3 mois, où j'avais même plus envie de lancer le jeu, parce que j'ai trouvé que la continuité économique du jeu avait été tellement impactée par ça. Il y a tellement une rupture, une cassure, et je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Alors peut-être que je suis complètement dans l'utopie et que j'ai pas conscience des défis techniques qui sont associés, et ça c'est tout à fait probable, mais j'ai l'impression quand même qu'il aurait fallu diviser en conséquence les stocks de ressources existants. Juste de dire, si on divise d'un ratio 5, les quantités générées par les succès de ressources et le drop, bah en fait il suffisait juste dire que... 5 laines de bouffe-tout avant la mage étaient échangeables contre une laine de bouffe-tout après la mage, et en divisant tous les stocks par 5, j'avais déjà proposé des solutions, hein. Et pour les stocks non multiples de simple, on fait un petit coup de RNG ou un truc comme ça. Enfin, il y avait plein de solutions, il y avait plein de façons de faire, qui auraient posé peut-être 2-3 petits soucis de bord dans des petits cas un peu bizarres, mais qui pour la majorité de la masse économique des serveurs auraient été extrêmement saines et auraient lissé en fait la transition. Et il me semble qu'ils ont les moyens techniques de faire ça, parce qu'à plusieurs reprises ils ont mis des petits PNJ pour échanger des ressources ou autres où il n'y avait pas de problème. Donc voilà, je reste vraiment déçu de la façon dont tout ça a été fait. Et encore aujourd'hui, quand je vais sur le jeu, c'est un truc qui me pèse sur la progression. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont posé ça de façon vraiment brutale. En fait, ça donne l'impression qu'ils préparent le jeu pour des nouveaux serveurs, ou pour un ou des nouveaux serveurs avec Unity qui repartent de zéro, mais que pour les serveurs existants, on met les mises à jour, on les pousse dessus en forçant un peu, et puis advienne que pourra, débrouillez-vous avec vos stocks, avec vos kamas et tout. J'ai l'impression qu'on a été un petit peu négligé, il y a eu un manque de considération envers les joueurs. Voilà, c'est mon ressenti personnel, et peut-être encore une fois, et probablement qu'il y a eu des contraintes techniques de leur côté, ou des choses que là je n'ai pas en tête, qui ont motivé leur choix. Mais de mon ressenti de joueur, et je sais que c'est partagé par beaucoup, ça a été une catastrophe là, cette transition, suppression idole, nerf ressources succès, et modification des recettes en conséquence, ça a été terrible. Voilà, Osatopia 2 c'est du Temporis, on passe. Refonte Kolizeum. En ce qui concerne la mise à jour du Kolizeum lancée début décembre, c'était un projet collaboratif avec vous, notre communauté, depuis 2022. Travailler ensemble vers un objectif commun et tenir la promesse que nous vous avions faite était essentiel pour nous. Nous sommes ravis des résultats, les données montrent que les changements apportés étaient les bons. Cette réussite renforce notre conviction que nous avançons dans la bonne direction, en parfaite harmonie avec les attentes et les besoins de nos joueurs. Ok, là ils sont assez dithyrambiques sur la mage. Bon, évidemment c'est une mage qui a fait du bien au Kolizeum, mais des retours que j'ai vus à droite à gauche, et moi j'ai pas fait de Kolizeum hein, depuis la mage, donc j'ai pas forcément beaucoup de plus-value à apporter, mais j'ai vu d'autres youtubeurs, streamers, joueurs se manifester, dire qu'effectivement il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Et là, la façon dont ils le présentent, on dirait qu'ils pensent que tout va bien, alors qu'il y a encore, à mon avis, beaucoup d'itérations et d'améliorations à apporter. Quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens, et ça fait plaisir de voir qu'ils s'occupent du Kolizeum, c'est quelque chose de très important pour le jeu, même s'il reste un problème de fond, qui est gérer la coexistence du Kolizeum et du serveur tournoi, qui sont deux choses concurrentes mais antinomiques, donc ça, c'est un problème structurel qui continuera de poser souci, je pense. Donc voilà, c'est très cool la refonte colis, mais il y a encore du boulot dessus, je pense, et en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire des retours à droite à gauche. Toute la partie Dofus Rétro, là, je passe. Ok, petit point sur la situation du projet. Dofus. Au cours des dernières années, notre équipe s'est engagée dans une tâche complexe, trouver l'équilibre parfait entre le travail sur le portage de Dofus vers Unity, la création de contenu captivant pour notre communauté et l'amélioration continue du contenu existant pour enrichir l'expérience de jeu. Bon, ça, ils nous avaient communiqué beaucoup dessus, hein, sur la la difficulté pour l'entreprise de gérer ses ressources entre le portage Unity, mais le fait de quand même maintenir de la hype avec de la nouveauté sur les serveurs pour que les gens ne le désertent pas et que ça continue à vivre un petit peu, sachant que tout ce qu'ils développent sur la version actuelle, ils doivent en même temps le développer sur Unity, donc ça fait double dose de travail. Voilà, ils avaient beaucoup communiqué là-dessus, je pense qu'on est tous à peu près en phase avec les enjeux. Comme annoncé lors de la CrossMono de 2022, notre principal objectif pour 2023 s'est axé sur l'amélioration de la qualité de vie, quality of life, la pérennité du jeu en vue de Unity et la poursuite des améliorations techniques, ces éléments cruciaux en coulisses qui ne sont pas toujours visibles ni directement ressentis par la communauté. Bien que 2023 ait été une année exigeante, centrée sur des améliorations techniques moins visibles, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Chaque étape nous rapproche de notre vision originelle pour Dofus, malgré les défis quotidiens et les contraintes de notre équipe. Okay. Bon, alors Dofus Retro, on passe. On arrive aux choses très sérieuses, là. Cap sur 2024, avec une petite roadmap, et là, des infos très sympas qui arrivent. Alors en production, on a l'équilibrage Feca, l'équilibrage Sadida, l'équilibrage Steamer. Ça, ils nous en avaient déjà parlé. On sait que c'est les prochaines classes à être touchées, et ça va faire clairement du bien. Bon, Feca s'en sort bien dans la méta, même peut-être le gameplay un peu vieillissant. Sadida, j'ai l'impression que la classe elle va plutôt bien, même si certains s'en plaignent beaucoup, on verra comment ils modifient les choses. En revanche, Steamer, c'est vrai que la classe elle commence à ramer un peu parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas trop bougé et il y a eu beaucoup de classes qui ont été up à côté. Et elle a pris des petits nerfs et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes dans le gameplay Steamer, mais peut-être des petits ups et des petits ajouts d'outils et de features à droite à gauche, ça fera du bien. Amélioration Kolizeum, bon bah CF, ce qu'on disait avant, ça va faire plaisir. Événement serveur épique, ok. En développement, Expédition saison 2, pourquoi pas, ça c'est des choses qui sont un petit peu anecdotiques, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits contenus, ça coûte pas grand chose, ça n'apporte pas grand chose non plus, mais ça met un peu de vie, ça fait des vidéos sympas dans tous les sens, ça fait des petits cosmétiques, ok, on verra ce qui nous apporte de plus que la dernière édition, qui moi personnellement ne m'avait pas spécialement intéressé, mais j'ai trouvé ça chouette qu'ils expérimentent ce genre de format. L'équilibrage des objets légendaires, alors ça va en intéresser plus d'un. Là, attention, ça va jouer la spéculation dans les HDV, lesquels vont prendre de la valeur, lesquels vont en perdre. Est-ce qu'ils vont équilibrer à la hache comme d'habitude, ou est-ce qu'on aura des choses un peu plus subtiles qui fait que tout va devenir jouable? On verra, hein, petite pensée pour la crocobure dont le prix a été divisé par 4 ou 5 suite à la mage. Le correctif des alliances, bah là c'est même pas des correctifs, hein, c'est une refonte à nouveau du système qu'il faut faire, je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais en tout cas voilà, retoucher le système alliance, clairement ça va être bien. Anniversaire des 20 ans et sortie du portage Unity, ça va être pour la fin d'année 2024 du coup. Et bon, on peut imaginer qu'il y aura des petits liens entre les deux, en tout cas, bon bah voilà, ça va vraiment être un moment très fort pour la vie sur Dofus je pense, et ça va faire du bien après cette année 2023 qui a été très compliquée hein, pour Dofus je pense, c'était peut-être la pire année pour Dofus qu'on n'a jamais eue, on sent vraiment les serveurs se vider, c'est perceptible à... jour après jour pour les joueurs un petit peu habitués, et c'est une sensation qui est terrible d'avoir de l'affect et de l'investissement dans un MMO, et de voir en fait que bah, y a de moins en moins de monde dessus, donc en fait tout ce qu'on a passé comme temps, comme heure, comme passion dessus, perd de la valeur jour après jour avec la perte de joueurs qui va avec. Donc il faut vraiment espérer que ces choses-là se passent bien, ces événements incontournables, et que ça remette de la hype un petit peu pour le jeu et de la population dessus. Ensuite, en réflexion, on a un nouveau contenu PVM. Ok, alors je sais pas si ça veut juste dire nouvelle zone ou autre, ou si c'est des choses un peu plus larges. Système des petites annonces, alors ça ils en avaient parlé, ils avaient teasé ça un peu sur des crossmonautes, ok, ça va venir je pense un peu compléter les canaux commerce, recrutement et compagnie qui sont dans un état catastrophique. Hein. Ils avaient interdit les offres en or, les machins comme ça, mais c'est encore spammé d'offres en or dans tous les sens. Mais ça je comprends que c'est pas un problème qui est très facile à régler, peut-être effectivement du coup petites annonces, ça va être un système parallèle des canaux, qui vous permettra de mettre, je sais pas, des offres de recrutement, de vouloir faire un donjon, de vendre des trucs, Bon, en fait, pour moi, ce qui manque, c'est des capacités de filtrer les items sur le jeu, ou de vraiment pouvoir les distinguer selon les G, ce qui serait à la fois une grande facilitation sur les HDV, et également qui pourrait donner lieu à des systèmes de commandes, des choses comme ça, ou de, voilà, de mettre une annonce, je recherche tel truc, ou je vends tel truc, bon. Tout ça, en CF, la vidéo améliorée Dofus, d'ailleurs, dont je prépare une nouvelle version. Mais ça vient, je pense, rencontrer un besoin des joueurs, donc c'est très bien qu'ils viennent sur ce genre de feature, même si on ne sait pas en détail qu'est-ce qu'ils ont derrière cette idée. Et nouvelle feature guild PVM, ok, je sais pas trop ce qu'il faut comprendre, parce que pour l'instant la feature guild tout court elle est un peu inexistante, donc bah, on verra bien, on va leur faire confiance. Dofus Retro, on s'en fout. Ok, déploiement du portage Unity. qui dit 2024, dit portage Unity. En effet, cette année verra apparaître le portage qui a été évoqué pour la première fois il y a 5 ans maintenant. Ce portage arrive désormais à son terme. Pour fêter dignement cette fin d'année avec vous, nous vous avons dévoilé le nouveau client lors du live du 20 décembre 2023. C'était la première fois qu'il était montré et utilisé en public. Nouveaux personnages, animations, sorts, cartes animées, interfaces. Nous vous avons proposé un tour du nouveau client qui était une version interne pour que vous ayez enfin un réel aperçu du jeu. 2024 sera l'occasion de faire des live streams plus réguliers pour continuer de vous montrer les avancées du portage et d'échanger avec vous sur celui-ci. Nous avons d'ailleurs bien noté vos demandes durant le live et votre volonté par exemple de voir Frigost animé. Je sais pas, je pensais plus au skin des persos, mais ok, Frigost animé, d'accord. Nous devons arrêter ici la projection de Dofus sur Unity, mais nous vous donnons rendez-vous en février pour en apprendre plus sur le schéma de sortie du portage et pour connaître les premières dates importantes. Ok, bon, pour moi, là, il y a vraiment un gros vide de communication sur les skins des persos, parce que ça fait énormément de débats dans la commu. Sur Twitter, dès que j'ouvre mon Twitter, je vois que ça. Il y a effectivement une discussion à avoir, je pense, tous ensemble, et j'espère vraiment que ça sera fait assez vite, là. Parce qu'il y a de la frustration qui est en train de se créer dans la commu, et je pense que c'est pas bon du tout. Et s'ils ont des contraintes techniques qu'ils ont amenées à choisir telle ou telle piste pour les skins ou autres, je pense qu'il faut qu'ils nous les exposent de façon assez transparente. Parce que là, dans l'état, il y a du drama qui va arriver sur les skins si rien n'est fait pour expliquer les démarches et les choix qui ont été faits, je pense. Et je trouve ça un peu étonnant de, là, de voir de parler de Frigost animé, alors que, ok, personne ne parle de ça, en tout cas de ce que je vois. Mais les skins, c'est omniprésent dans les discussions. Donc, bon, faisons leur confiance encore une fois. En tout cas, le format de communication plus récurrent, je pense que c'est très très important. Parce que là, je pense qu'ils sont sur les phases un peu finales hein, de production, de développement sur Unity. Et il faut que la communauté puisse faire du feedback maintenant de façon assez régulière et qu'il y ait beaucoup de communication. Je comprends qu'il faut qu'il y ait de la hype autour du projet. Mais il faut aussi viser juste, parce que là, c'est l'avenir de Dofus qui se joue hein, sur le portage Unity. Si ça marche bien, le Dofus peut reprendre une phase d'expansion et avoir un âge d'or nouveau. Si ça flop, c'est fini. Donc, il faut vraiment, je pense, être attentif à communiquer pour viser juste sur les modifs et les nouveautés qui vont être ajoutées. 20e anniversaire de Dofus. Que serait 2024 sans l'anniversaire de Dofus? Que ce soit sur Retro, Dofus 2 ou Touch, vous aurez l'occasion de fêter les 20 ans du jeu en grande pompe. Différents événements prendront place au cours de l'année, l'apothéose étant la date d'anniversaire du jeu. Que ce soit en jeu comme hors jeu, vous serez de nombreuses fois remerciés pour votre fidélité, pour le temps passé avec nous à apprécier le jeu et à le faire évoluer. 20 ans d'existence, c'est assez rare pour un jeu, un MMORPG qui plus est. Nous vous devons toute notre dévotion et saurons vous remercier à la hauteur de l'amour que vous portez au jeu. Fêtons 2024 en grande pompe. Vous avez été nombreux à le demander et nous pouvons vous annoncer la bonne nouvelle, un événement aura bien lieu sur Dofus et Dofus Retro pour fêter ce début d'année avec vous. Durant cet événement, les gains d'expérience de combat et de métier seront doublés. Cet événement débutera le vendredi 19 janvier 2024 à 18h et se terminera le dimanche 21 janvier 2024 à 23h59. C'est l'heure de préparer son nouveau personnage et de finir de monter ses métiers si ce n'est pas déjà fait. Ça c'est très intéressant, donc c'est ce week-end, je vais peut-être essayer de rush un petit peu des métiers, on verra ça, ce sera l'occasion pour moi de vous retrouver un peu en stream ou autre. Je ne promets pas que c'est possible, mais ce serait intéressant quand même. Quand j'en profite, j'en ai besoin sur le jeu. Dernier mot. Nous souhaitions profiter des vœux pour vous remercier toutes les personnes qui contribuent à rendre le monde des 12 aussi vivant et à l'améliorer. Nous pensons aux équipes bénévoles, que ce soit modérateurs et maîtres du jeu. Les sites communautaires qui ont vu le jour durant l'année pour aider au mieux nos joueurs et les guider dans la recherche de secrets ou d'informations durant les Temporis. Nous tenons également à remercier nos partenaires comme le KTA ou Retro eSport qui animent la scène compétitive de Dofus et Dofus Retro. Ouais, vraiment, KTA, énorme respect à eux, c'est des monstres. Hein. Le boulot qu'ils font et la plus-value qu'ils ont pour l'univers Dofus, c'est absolument colossal. Moi aussi, j'en profite pour les remercier parce que ça apporte énormément. Et enfin, merci à vous, vous qui nous suivez après tant d'années, qui continuez à être passionnés par le jeu. 2024 vous réserve beaucoup de surprises. On vous souhaite à tous une très belle année 2024 et on vous dit à bientôt dans le monde des 12. C'est magnifique. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un peu de rétrospective de feedback, des annonces sur cette slide ici, équilibrage, amélioration, expédition, nouveau contenu, anniversaire, sortie Unity, et plus court terme, petit week-end double XP qui arrive. Ça, c'était donc la grosse partie Ankama, et là, on a un truc un peu plus confidentiel, qui est les vœux de Tot, on va passer dessus, c'est très rapide. 2024, les vœux de Tot. Il y a quelques jours, le monde entier fêtait le début d'une nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le monde des 12 qui s'y met. Et c'est Tot, directeur général et créatif d'Ankama, qui s'y colle. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe d'Ankama se joint à moi pour vous souhaiter une année 2024 des plus merveilleuses. L'année 2023 a été jalonnée de moments forts, de nouvelles sorties et d'aventures palpitantes que nous avons partagées avec vous. Parmi les faits marquants, citons le lancement du serveur monocompte de Wakfu, la sortie du passionnant jeu One More Gate, le début en accès anticipé de notre nouveau tactical RPG Waven, la diffusion de la série Lance Dur sur ADN et France TV. Et la conclusion épique du manga Dofus après 30 tomes d'aventures déjantées. Les années passent, mais notre énergie, notre passion et notre volonté de vous divertir restent intactes. Après 23 ans d'existence, nous sommes pleinement conscients que c'est grâce à vous, chers joueurs, lecteurs et spectateurs, que nous avons atteint cette longévité et nous vous en remercions chaleureusement. 2023 a été grandiose, mais nous vous assurons que 2024 n'aura rien à lui envier. Alors en tant que joueur Dofus, ça fait bizarre de lire ça. Tant mieux s'ils ont eu plein d'autres projets qui se sont bien portés. Sur Dofus, 2023 a été une année très très compliquée. Mais faut pas oublier qu'Ankama ce n'est pas que Dofus, il y a aussi d'autres choses en parallèle, et tant mieux pour eux si ça a été chouette. Trois événements majeurs vont rythmer les mois à venir. Tout d'abord, la quatrième et dernière saison tant attendue de Wakfu série sera dévoilée. Après 15 ans, la série trouvera une conclusion qui, nous l'espérons, fera battre vos petits cœurs. Ça, je leur fais confiance parce que franchement, Wakfu, sur le côté animation et tout, c'est très très belle œuvre, je trouve. Ensuite, Waven sortira de son accès anticipé, accompagné de son lancement sur mobile. Et enfin, en décembre, nous aurons le plaisir de vous présenter la version Unity de Dofus, un projet sur lequel nous travaillons depuis des années et qui marque une nouvelle étape pour notre cher bébé. J'aime bien quand ils balancent ça comme ça, donc on a la date de Unity qui est posée ici, alors que ça fait l'objet de spéculations et de discussions depuis tellement longtemps. C'est donc pour décembre 2024, sortie d'Unity décembre 2024, donc c'est 2024 mais c'est vraiment tout à la fin, ce qui est tout à fait logique parce que c'est cohérent avec le calendrier. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait à peu près 3 mois de bêta. Ce qui veut dire qu'on aura la bêta aux alentours de septembre et que ça va tomber à peu près, je crois, avec l'anniversaire de Dofus. Faudrait regarder le calendrier plus en détail. Mais en gros, voilà, on aura du coup, à mon avis, la bêta, c'est mon interprétation, c'est comme ça que je le comprends, hein, ça n'engage que moi. Je pense qu'on aura la bêta voilà, fin de l'été, début de l'automne, et on aura du coup la version Unity Live en décembre, si tout se passe bien. Parce qu'évidemment, c'est un projet d'une telle ampleur qu'il peut y avoir des imprévus et des complications, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'on peut tabler là-dessus du coup. Et bah, c'est chouette, c'est chouette. Tous ces projets seront enrichis de webtoons qui viendront approfondir le lore de notre univers. D'ailleurs, nous vous proposerons quelques idées originales sur ce média pour lesquelles votre participation sera nécessaire. Comme vous le savez, 2024 sera également l'année des 20 ans de l'univers Dofus, et nous vous avons prévu de célébrer cet anniversaire avec vous tout au long de l'année. Nous vous invitons maintenant à explorer les vœux et la feuille de route de chaque univers, toute l'équipe Ankama. Donc on a déjà passé juste avant sur le Dofus. Et on est bon. Ben voilà, bah écoutez, c'était des belles nouvelles. 2024, du coup, ça va être une année pleine de nouveautés, de concrétisation de projets qu'on attend depuis des années pour Dofus. Espérons que ça se passe bien. Moi, je suis de tout cœur avec eux, mais j'ai quand même pas mal d'attente, et j'espère vraiment que les choses seront bien faites, parce que c'est la survie de notre jeu préféré qui en dépend, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire plus long que ça, juste un petit mot, plus j'aurais peut-être pu dire ça au début de la vidéo, je vous ai pas fait des vidéos réac sur tout ce qui s'est passé les 3-4 derniers mois, parce que j'avais pas le temps, mais voilà, j'ai quand même pris le temps de lire tout de mon côté, d'essayer de tout digérer, là, je suis à peu près à jour sur ce qui se passe dans le jeu, mais en fait je m'y suis intéressé trop tard par rapport aux actualités, j'allais pas vous faire une vidéo react analyse 3 semaines après qu'un truc soit sorti, parce que bah, ça n'a plus trop de sens. Donc voilà, moi je suis là, je regarde encore ce qui se passe sur le jeu, et je vais essayer de vous refaire des vidéos d'ici pas trop longtemps, en fonction de mes disponibilités, voilà, CF ma vidéo IRL que j'ai sortie en septembre. Je vais pas raconter ma vie à nouveau. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir tout ça. Let's go, vive 2024, vive Dofus, vive Unity, et on y croit bien fort, et on envoie de la force. Mais on attend en tournant pour la qualité de tout ce qui va être proposé. Et je pense qu'on est une communauté passionnée, mais que là, on est nombreux à arriver un petit peu à nos limites sur ce qu'on peut encore offrir à ce jeu. Maintenant, il faut qu'il nous offre des choses en retour. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure cette vidéo. Bonne année à tous encore une fois, bonne année à toute l'équipe d'Ankama, bonne année à Tot, bonne année à Dofus, prenez soin de vous et à très bientôt.